50 mètres de chaîne de 10 et on a décidé de changer parce que c'est un petit peu court quand même, on est un peu limité pour les profondeurs de mouillage, donc on a commandé une nouvelle chaîne de 90 mètres qu'on va recevoir dans 2 jours et j'ai dû modifier un petit peu mon pitch chaîne pour pouvoir ranger 50 mètres à un endroit et la suite de 40 mètres à l'autre endroit. Je voulais pas rallonger celle-là parce que on sait pas avec les maillons de raccordement qui sont à riveter, la solidité, etc. C'est quand même éventuellement un point faible. Donc pour pas être inquiet et puis toujours m'inquiéter pour ce maillon-là, je préfère mettre d'une pièce. Et il y a quand même toute la valeur du bateau qui est lâchée. Donc, on a commandé 90 mètres. Voilà donc notre pitch chain vide. Donc ici au fond, j'arrive à mettre 50 mètres. Et pour le dernier bout, on va le ressortir. Et on va venir le ranger dans ce bac. On a vu d'ensemble un peu. Donc dans ce bac là, j'arrive à mettre 40 mètres par-dessus le câbleau de 50 mètres. Et ici, j'ai fait une bricole avec ces rouleaux. Et une fois que les 40 mètres du puits là au fond sont dehors, ça va prendre ici jusqu'au guindon et ça va vider par là. Par contre, après pour remonter les 40 premiers ou derniers mètres, je ne sais pas comment dire, ceux qui seront fixés sur le câbleau, ici, il faudra que je vienne mettre la chaîne à la main. Donc, il faut que je la range à la main, mais après, pour la dérouler, pour lâcher la chaîne, ça ira tout seul. Donc, ça c'est une petite bricole. On filmera ça quand la chaîne sera en place. En attendant l'arrivée de la chaîne, j'ai démonté ma jonction chaîne-ancre avec ici l'axe côté ancre qui est pas usé et ici si on prend la petite pièce côté chaîne. Là, on voit que elle est ici, on va essayer de faire ça d'une main, au bout de mon doigt là, elle s'est bouffée un petit peu avec le maillon. Alors bon, c'est encore pour un moment, mais chez Ultramarine, j'ai recommandé donc cette pièce là et cette pièce là avec les deux vis sont un set. Qui coûte 43 €. Donc j'ai commandé 2 sets comme ça on a ces pièces qui sont un peu des pièces d'usure en change. Là voilà, ça devrait arriver prochainement avec la chaîne. Voilà, la chaîne est arrivée, allez voir ça. Bon là, voilà la bête, près de 200 kg. On va préparer tout ça, j'y vais. Voilà.
J'ai mesuré la chaîne, elle fait bien 90 mètres. Et on a posé les marqueurs de chaîne. Tous les 10 mètres plus des jaunes. Tous les 5 mètres. Et pour signaler les 5 derniers mètres, les petits jaunes. Alors, on va étirer tout ça. Voilà. Les 40 premiers mètres sont dans ce petit puisard, là. Comme ça. Quand on voit, quand ça se déroule, quand on les remet, voilà comment ça sort. Voilà. Puis ben, quand on remonte, il faut les mettre à main. Voilà, puis maintenant les 50 mètres. Donc là il y a 40 mètres dedans. Et maintenant les 50 autres mètres vont partir là au fond. Tout est dedans. 90 mètres de chaîne. Yes. Aujourd'hui on va tester la mise à l'eau complète de la chaîne. Alors, c'est parti. Voilà. Alors là, si j'ai mesure entre le compteur de chaîne, j'ai à peu près une 5 mètres de différence. Donc, j'avais mesuré la chaîne à 90 mètres, donc une petite tolérance sur le tambour. Ça a l'air pas mal du tout. Alors ici, on va ressortir comme le bout de la corde et puis on va remonter tout ça. Voilà, Stella a réorganisé ses petites plantes. Ça c'est un petit basilic qui tient bien au vent. Ça sent bon du romarin. Ici c'est des piments qui sont, on a planté des petites graines, petits rosiers, et ici devant on a, ça c'est du poivre de Cayenne. Ici c'est quoi ceux-là là? Basilic aussi. Basilic, et puis à côté aussi basilic. À gauche là c'est du basilic, à droite c'est des piments. Et puis au milieu, du basilic aussi. Mais. Ah, t'as deux pots de basilic là? Non. Ouais. Un basilic là? Oui. On va s'en sortir. Alors, ici c'est quoi? Où il y a les œufs? Oui. Il n'y a pas deux, mais bacahu. Bacahu, c'est du basilic. Le deuxième. Où il y a la terre là, c'est du basilic. Donc on a trois basiliques. Ouais. Ça c'est le poivre de Cayenne. Et ça c'est des piments. C'est aussi des piments. Ben, ça va chauffer sec cet été. Aïe. Donc ça s'organise pour les 4 mois qu'on va aller se vadrouiller.
Voilà les anciens coussins qui ont 25 ans et qui sont cuits. Ils ont déjà pas mal de coups. Voilà. Et là, on a les nouveaux coussins. Un petit peu plus épais. Ah, c'est beau comme c'est neuf. Qu'est-ce qu'on va être bien. Voilà, aujourd'hui, lundi 8 juin, Anita qui nous a fabriqué les coussins extérieurs nous a encore apporté des oranges et des citrons. Il y a 45 orangers. Alors là, on a de quoi faire du jus. Il reste plus qu'à trouver un petit coin pour stocker tout ça. Et encore 1,5 litre d'huile d'olive de ces oliviers. Encore merci Anita. Voilà, ici à Pythagorion, droit devant nous les douanes. Et à côté les Coast Guard. Donc en attendant qu'ils fassent les papiers. Petit café grec. Avec un petit pote qui m'accompagne. Bonjour le pote. Voilà. Et puis, voilà que je suis sur mes genoux maintenant. Et on attend que ces petits papiers soient prêts, donc cool cool. Ici les papiers prêts pour partir avec la top paye pour juin, juillet, août, septembre. 392 € payé. Voilà, et ici le transit log qui lui va tenir jusque à l'année prochaine. Mois de août. Donc départ, on est jeudi, départ dans 2 jours. Dernière petite soirée sur l'île de Samos, vendredi soir, demain départ. Et là, on se fait un petit repas en amoureux, des sardines grillées. Le calamar. Voilà. C'est magnifique. Mais vivement demain quand même.